Shalom, je suis le sacrificateur de l'Éternel, le prophète Gonge Joachim Kessé. Vous avez été nombreux à suivre nos messages prophétiques sur la nation. Vous avez été également nombreux à réagir, à nous appeler. Et nous avons découvert que parmi vous, il y a vraiment des hommes et des femmes qui ont le fardeau pour la restauration de notre pays. Eh bien, nous venons ici pour vous inviter au programme dénommé la trompette prophétique, qui est un programme instauré par le Seigneur, pendant lequel Dieu révèle sa pensée pour notre nation, il révèle son plan et ses desseins pour notre nation, afin d'avertir le peuple et de conduire le peuple dans le combat spirituel. Frère, le vendredi 15 mars prochain, à partir de 21h, à l'hôtel du Dieu vivant, Angré, Diorogobité 1, c'est sur la route de Faya, la nouvelle voie non bitumée qui part du nouveau su d'engrais et qui passe devant la centrale CIE. Trompette prophétique qui se tiendra sur un thème évocateur, un thème hautement prophétique, un thème qui touche même l'actualité prophétique de notre nation. Et ce thème est le suivant, la restauration de la Côte d'Ivoire et le jugement des nations. Frères, lorsque vous lisez les Écritures, vous allez voir qu'à chaque fois que Dieu décide de restaurer son peuple à lui, le peuple d'Israël, au moment où Dieu restaure son peuple, au moment où Dieu rétablit son peuple, Dieu juge les nations qui ont participé à la chute d'Israël. Je vous annonce, frère, en tant que prophète et sacrificateur de Dieu, que Dieu a un dessein pour notre nation, Dieu a un programme pour notre nation, un programme de restauration, un programme de repositionnement, un programme de reconstruction de notre nation. Et pendant que Dieu exécutera ce programme, Dieu jugera également les nations. Il est bon qu'en tant que serviteur de Dieu, en tant que prophète, en tant qu'intercesseur, en tant qu'Ivoirien, en tant que politicien, tu saches quelle est la pensée de Dieu, à quel moment Dieu veut agir, comment Dieu veut travailler, afin que tu puisses pouvoir te tenir dans la prière, dans la sanctification, dans l'intercession, afin de voir ces choses se manifester. Je vous donne rendez-vous sur ce thème évocateur, la restauration de la Côte d'Ivoire et le jugement des nations. Vendredi 15 mars prochain, à l'hôtel du Dieu vivant à Angré. L'entrée est libre et gratuite. Nous t'attendons, Église de Dieu, nous t'attendons, pasteur, prophète, évangéliste, intercesseur, chantre et chrétien de tout bon, quelle que soit ta dénomination, quel que soit ton rang, nous t'attendons à ce programme, nous t'attendons, toi politicien, ou toi qui as de ta acquaintance politique, nous t'attendons à ce programme, viens savoir ce que Dieu pense, viens savoir ce que Dieu a décidé sur ta nation, afin que tu saches comment prier et comment te tenir au moment où les choses se dérouleront. Shalom, que le Seigneur vous bénisse.